Guingamp 3e contre Guignon 21e, une rencontre déséquilibrée et comme les autres pour Bakary Koné. Comme toujours, le Burkinabé s'échauffe, écoute les consignes et salue l'équipe adverse. Mais cette nouvelle soirée à Roudourou n'est pas si anodine que ça. Koné dispute aujourd'hui son 100e match en championnat sous le maillot guingampais. Je suis là ce matin, donc les choses vont vite. Je dirais qu'avec Guingamp, à part la descente qui a été un peu le mauvais moment, à part ça, tout le reste a été des bons moments de la Coupe jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai passé un bon moment à Guingamp. Aujourd'hui, il y a toutes les qualités du footballeur de haut niveau, mais avec une marge de progression très importante du fait de son jeune âge, du fait déjà de... C'est pas rien, il a déjà gagné un titre à son jeune âge, il a une certaine expérience, il a déjà un certain nombre de matchs. Et avec le temps, tout ça va se bonifier. Donc c'est un petit peu comme quand vous prenez un vin, c'est déjà un très bon vin à la base, et puis avec le temps, il devient encore meilleur. Arrivé à Guingamp en janvier 2007, le natif de Ouagadougou a tout connu à Guingamp, la gloire et le désespoir. À 22 ans, ce père de famille est déjà un titulaire incontournable. En l'espace de 4 ans, Bako est devenu grand. Bon, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Donc j'ai presque vu tout le monde passer dans la vestiaire. Donc je peux dire que je suis le plus ancien du vestiaire qui... Pas le plus âgé, mais le plus ancien du WC, parce que j'ai vu tout le monde passer. Pour moi, c'est le défenseur moderne. Il va vite, il saute haut, il est dans les 1 contre 1, il est quasiment impassable. Les plus tatillons parleront de sa relance. Bako a vachement progressé déjà au niveau de la relance, au niveau du jeu au pied. Donc, quand on décrypte bien les matchs, je crois qu'au niveau de sa relance, Bako a fait de gros progrès sur ce niveau-là. Il a un très bon jeu long. Il a une bonne qualité de passe. Je dirais qu'il a une grosse qualité athlétique, soit au niveau du jeu de tête ou de la vitesse et sur les tacles défensifs. Toutes ces qualités-là, comme je dis toujours, elles ne sont pas, elles n'ont pas atteint leurs limites. C'est-à-dire que ces qualités-là, par exemple sa vitesse, sa détente, tout ça, naturellement il les a, mais dans le travail au quotidien, il va encore repousser ces limites-là. Et puis à l'avenir, il ira encore 2 fois plus vite, il sautera encore 2 fois plus haut et il aura encore une meilleure qualité de relance. Il a gagné aussi au niveau du placement. Et puis c'est vrai qu'il commence à s'exprimer un petit peu plus, chose qu'il ne faisait pas trop il y a 1 an et demi, 2 ans. Je les explique un peu comment les choses étaient, comment j'étais là, j'étais arrivé. Donc c'est ce qui fait que je suis un peu un leader aussi des vestiaires, quoi. Avec l'arrivée de Christian Bacilla en 2008, Bako a trouvé son grand frère, son repère sur le terrain. Un guide providentiel dans l'éclosion de l'international burkinabé. Je suis arrivé, la plupart du temps que je jouais dans l'axe, la grande majorité, j'ai joué avec lui. Donc voilà, après, je ne sais pas si moi je peux dire que j'ai participé à son éclosion ou quoi que ce soit, même si moi je persiste à dire encore qu'il a une grande marge de progression, qu'il a un très très haut potentiel. Ouais, je pense que c'est ce qui pourrait m'arriver du mieux, avoir un grand frère à côté de moi qui me parle de son vécu. Et moi, la première des choses que je lui dis, c'est d'apprendre la patience. Donc voilà, je crois qu'il a quand même cette intelligence-là, il a cette maturité-là quand même, le fait de rester calme, de même après la descente en national. À la descente, j'avais déjà des propositions. Et bon, comme ces clubs ne sont jamais rentrés en contact avec moi, j'étais en contact avec mon agent et le club. Donc j'attendais des rumeurs, Bako était sur le départ, donc moi j'étais encore plus concentré, j'avais pas encore digéré la descente de Guingamp. Moi j'ai jamais entendu vouloir quitter le navire ou vouloir partir ou des choses comme ça, et ça c'est une preuve de grande maturité. J'ai un peu participé aussi à cette descente, donc j'avais envie, au fond de moi j'avais envie de participer aussi à la remontée de Guingamp, même si ouais, j'avais des propositions pour partir, mais au fond de moi j'avais envie de participer à cette remontée. Tout ce que j'espère pour lui, c'est que cette saison nationale ne sera pas pénalisante pour la suite de sa carrière, mais avec le talent et les qualités qu'il a, je suis sûr que ça va l'emmener très très haut. Avec cette défense, c'est celle que j'ai fait avec Basse en tout moment. On a joué 2 saisons en Ligue 2, malgré la descente, on a fait partie des meilleurs défenseurs. Sur le terrain, j'ai un rôle aussi. Hein. Je sais qu'à mon âge, c'est pas par mes performances sportives que j'en ai un plus à l'équipe. Il m'explique que les choses sont communes, donc je pense qu'avec lui, j'apprends bien et que j'ai continué d'apprendre. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer à côté de lui. Défensivement, j'ai pas grand chose à lui appeler parce que
que beaucoup de gens oublient, moi je ne suis pas un défenseur à la base. Donc aujourd'hui j'estime même plus que moi, c'est moi qui ai appris de Bako sur le plan défensif que lui a appris de moi. Ah, c'est peut-être par notre expérience, voilà, on va essayer de, voilà, d'apporter par la voix, dans le replacement, quand les choses ne vont pas bien. Et voilà, donc c'est des choses qu'on s'efforce à faire, mais par rapport à un joueur comme Bako qui maintenant commence à avoir une certaine expérience, nous ce qu'on lui demande et l'exigence qu'on a avec lui, c'est que lui petit à petit doit prendre ce rôle. C'est-à-dire que Bako, voilà, petit à petit, c'est lui qui prendra mon rôle plus tard à Guingamp, et c'est des François qui auront le rôle que joue Lionel aujourd'hui. Donc voilà, donc nous, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on essaye de les préparer, les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent avoir ce rôle-là, avoir les mots rassurants envers leur plus jeune coéquipier, parce que voilà, comme on dit, c'est un petit peu un passage de témoin. We'll be right back.